Elle a été la dernière femme d'Eddie Barclay. En 2005, le célèbre producteur de musique rendait son dernier souffle sans femme à ses côtés. Pourtant, durant toute sa vie, il a été marié à 8 reprises. Il aimait être marié, avoir une femme qui porte son nom, dont il s'occupait vraiment, a expliqué celle qui a été sa femme épouse, Caroline Barclay, dans les colonnes de Gala. Si est-il alors qu'elle n'avait que 20 ans qu'elle a croisé le chemin de celui qui en avait pas moins de 65. Si elle a refusé ses avances dans un premier temps, elle s'est finalement laissée séduire et l'a épousé en 1985. Avec lui, elle a vécu une vie de rêve. Il se levait le matin et me demandait, « Ma chérie, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un voyage? Un spectacle ?» Il était galant, prévenant, le plus attentionné des hommes, a-t-elle encore confié. Mais alors qu'elle était encore très jeune, celle qui rêvait de devenir journaliste a eu besoin de voler de ses propres ailes. Au bout de 8 ans, j'ai commencé à vouloir faire des choses par moi-même. Je participais à des courses automobiles le week-end. Un peu de journalisme, aussi. Un jour, Eddie m'a dit qu'il voulait que sa femme soit 7 jours sur 7 avec lui. Que c'était comme ça ou bien il demandait le divorce. Devant un tel ultimatum, Caroline Barclay a fait le choix de l'indépendance. Elle ne voulait plus vivre dans une prison dorée. Mais le grand ami des stars n'a pas du tout compris ce choix et était bien décidé à lui faire payer ce divorce. Caroline Barclay n'avait pas de compte en banque, il ne m'a pas parlé pendant 2 ou 3 ans et n'a pas été très généreux, même s'il m'a laissé le nom de Barclay. Il fallait tout de même que je me loge, que je me lance professionnellement. Je n'avais rien, même pas de compte en banque. En même temps, je n'aille jamais manqué de rien à ses côtés. Et s'il ne m'avait pas poussé au divorce, je serais certainement resté avec lui. Jusqu'au bout, a enfin raconté celle qui a depuis refait sa vie.